Back. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve évidemment pour la suite de la saison 2014 sur le circuit de l'Hungaroring, ou plutôt le Red Bull Ring maintenant. Vu que le circuit était racheté par Red Bull il y a quelques années maintenant, voire plus de 10 ans. Et du coup, on est parti pour la séance de qualification, en sachant que dans la vie réelle à l'époque, on rentrait un petit peu dans l'histoire des freins chez Mercedes, avec 3 courses, 3, 4 courses d'affilée, où il va y avoir des problèmes à ce niveau-là. Notamment pour... surtout pour Hamilton. Et d'ailleurs, c'est ça qui l'empêchera de se battre pour la pole contre Rosberg, ici, en Autriche. Donc nous sommes partis pour le seul tour lancé. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai mis plus de vitesse de pointe que d'accélération. On va voir si c'est un bon plan ou pas. Ce qu'on a pour l'instant devant la Mercedes sans le premier secteur. La limite. La chicane, attention la descente ici. Ah, j'ai tout donné, heureusement, j'ai raté l'accélération. Et du coup, sixième temps, bon, c'est pas mal. Bon, c'est un circuit assez court, vous l'avez vu, on tourne en 1.12 et puis c'est un circuit à l'ancienne surtout. Alors, mais loin du tracé originel hein, qui continue beaucoup plus loin après la ligne droite de départ. La seule chose qui va m'inquiéter ici, c'est que j'ai l'impression qu'il va pas faire beau. Donc on va voir un petit peu les prévisions météo. Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire? Car setup option good track, qu'est-ce qu'il nous dit? J'ai vu du wet, ah bah il va pleuvoir. Il va pleuvoir, donc si il pleut... 19 degrés, alors 41% de chance de pluie. En fait, il va peut-être pas pleuvoir. Je pense que c'est déjà mouillé, je sais pas. Bon, de toute façon, on va garder le setup dans tous les cas. Et on va être obligé de partir en wet en plus. Ouais, ça a l'air quand même mouillé dehors. Donc, on va partir en wet, je crois. Extraordinaire. Par contre, j'ai une grosse hésitation sur la suite de la course. On va partir en wet parce que c'est, je pense, le plus tranquille. Mais là, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de stop. Parce qu'on n'est pas obligé de s'arrêter. Je ne sais pas combien ça va durer ce temps. Donc on va voir. On va faire comme ça, on va laisser par défaut, de toute façon on n'a pas trop le choix. Démarrer la course. Allez, fais tourner le moteur bébé. Un petit jet, je sais pas qu'ils font pour dire... voilà. Oh oui, non, effectivement, donc je ne suis pas parti à l'intermédiaire. Et donc on a les deux Mercedes en première ligne, on va partir 5ème, notre coéquipier 16ème. Et alors là par contre, ouais, le niveau de pluie, on verra si ça s'assèche. En tout cas ça va remettre un petit peu en difficulté notre qualification, je pense que je ne suis absolument pas entraîné sous la pluie, c'est parti. On remarquerait que je lâche un petit peu l'accélérateur à certains moments pour pouvoir reprendre du grip. Oh purée, ah bah écoutez, j'ai raté son freinage. Allez aussi, si je savais à l'avance que rater son freinage allait donner ça. Par contre, on va prendre nos panneaux sans parce que voilà, c'est pas évident. De toute façon, pour le moment, on n'est pas obligé de s'arrêter. Mais potentiellement que les gommes, elles, vont pas forcément durer à vitam aeternam. Donc on va essayer de voir jusqu'où elles vont. Quand on commencera à perdre un peu de grip, et bien celle-là, il faudra un petit peu réfléchir à notre stratégie. On peut aller plus vite, hein, j'ai l'impression, même sous la pluie.
pas un grip de fou, mais en vrai ça va. Hein. On est en tête, ce qui est quand même plutôt bien. Voilà, là, ça va être compliqué. Il n'y aura pas de DRS, donc l'avantage c'est qu'ils ne pourront pas me dépasser en tout cas avec ça. Par contre, la VMAX qu'ils ont, regardez moi ça. Derrière, il y a une Red Bull qui. Ouais, c'est Vettel. Un beau joint. Je sais pas pourquoi j'ai toujours l'impression que Vettel est plus là alors qu'il est toujours là en 2014. Wouh! C'était quoi ça? À l'intérieur? Ouais, non. Pourquoi quoi si ça passe? Il y a une Ferrari derrière. Ah ouais, le vent qui m'a mis au freinage. Ouais, donc on peut vraiment freiner beaucoup plus long. Je suis quand même pas freiné au 50 mètres. Peut-être pas décoller non plus, mais. En tout cas, tout le monde est en wet. C'est déjà la formation, mais je pense que c'était un peu obligatoire vu l'état de la piste. Ouais, j'ai pas de bon trajet hein, pour le moment. L'intérieur, en vrai, c'est pas fou quand il pleut normalement. On a tendance à avoir du pilote faire les extérieurs pour garder une vitesse constante. Parce que le fait de revenir à l'intérieur et de réaccélérer d'un coup, bah, y a pas de grip. Donc, pas forcément rapide à ce point-là. Paradoxalement, j'ai plus peur du vibreur que de la pluie elle-même. Voilà, j'ai relâché trop tard, évidemment. Et du coup... Non, ça va, j'ai pas trop freiné. Oh, regardez là, la Red Bull, mais telle qu'il en profite. Bon, j'ai vraiment freiné au panneau 50. Enfin, au panneau 100, pardon, pas avant. Ouh, d'ailleurs, ça s'est un petit peu bousculé, j'ai l'impression. Vettel est passé deuxième. Et Alonso troisième. Par contre, j'ai l'impression que. Oh, je ne sais pas combien de temps vont durer ces gommes. Oh là là, et on s'est touché. Alors, désolé, Vettel, c'est vraiment parce que j'ai complètement. J'ai complètement glissé à l'intérieur. Juste essayer de me sortir du bac à gravier. Ouais, ils ont quand même mis en trajectoire, hein, y a rien à dire. Ça accélère beaucoup mieux, pour l'instant je fais bouchon. J'ai pas compris ce qu'il a dit. Il est dans plusieurs tours, mais je sais pas ce qu'il. Oh, Hülkenberg, meilleur temps, il est 21. C'est-à-dire que le pont doit être lent. Non, 25, c'est une blague. Mais j'ai raté la reprise. Attendez, c'est-à-dire qu'on tourne 4 secondes plus lentement que Hülkenberg là. Peut-être que j'ai pas assez de grippe avec mes ailerons aussi. Ah, mes ailerons. Alors, on a gagné quand même 2 secondes sur ce tour-là, donc je pense que ouais, c'est vrai qu'on était un peu dans le mal. Bon, Alonso, il va m'avoir. Alonso, il va m'avoir, je pense. On va relâcher un peu, reprendre l'intérieur, c'est bon. C'est vrai que je sais pas comment faire pour voir l'état de mes gommes. Non, je sais pas du tout. Et là, j'ai raté complètement mon point de freinage, attention. Et derrière, les positions qui changent à chaque fois, maintenant c'est l'état à nouveau. Elle va être longue cette course, je pense.
Alors j'ai l'impression qu'il pleut un... C'est peut-être un effet, mais j'ai l'impression qu'il pleut un peu moins. On sait que nous on a la bonne position dans le sens où on n'a pas de projection d'eau devant nous. Là, c'est pour ça qu'en F1 ils veulent mettre en place quelque chose qui diminue la projection d'eau sous la pluie. Les courses un peu sécurisées. Alors je comprends l'idée, hein, ça éviterait d'avoir des courses arrêtées dès qu'il y a un peu trop d'eau. Ce qui en soi, moi, me plaît tous les cas. Mais le coût des trucs derrière les voitures, enfin les monoplaces, c'est bizarre. Je trouve que c'est très bizarre. Bon, les intermédiaires on va pas marcher tout de suite, hein. Il va falloir attendre un peu. De toute façon, dès que ça commencera à glisser un peu trop, on s'arrêtera au stand. Est-ce qu'on repart ça en repartir en full wet ou en intermédiaire, je sais pas encore. Je sens que merde, je suis con, j'ai fait tellement tôt. Je sens que le circuit va s'assécher bientôt. Du coup, je vais vraiment hésiter entre les inter et les wet. Comme on disait, l'avantage c'est qu'on n'a pas besoin de changer les gommes quand il pleut. On verra. Soit je conduis mieux, soit ils sont moins pressants, soit je sais pas. Ben, je dis ça, mais maintenant il est juste derrière moi. Pourtant, je vois personne rentrer dans les puits. Ouais, les temps s'améliorent, on est en 1:22. On l'a bien pris pour une fois. 1:21, ouais, ça s'améliore. Ça améliore un peu pour tout le monde. Même pour nous. Ah, enfin les pneus à température, c'est pas trop tôt. Ouais, les effets d'eau sur la caméra, en fait, ils sont super pixelisés. Mais en soi, c'est logique, parce que le focus de la caméra, il n'est pas sur les gouttes. Donc c'est normal que ce soit un peu flou. Après, ouais, c'est quand même un peu pixelisé, c'est pas que flou, quoi. Ah, Alonso, il a augmenté son rythme, là. J'ai l'impression que faisant les mêmes virages, c'est quand même... bien rattrapé. Les gommes tiennent bien, hein, j'ai pas de problème. Et on commence à voir la trajectoire. Je pense qu'on pourrait peut-être passer en inter, on va voir.
toute façon, elles peuvent sauver du fuel, je m'en fous, je suis en tête, donc. Oh, Gutiérrez, une 20. On a fait du coup le meilleur temps. J'ai parlé au moment où il me parlait, génial. C'est juste inutile dit jusqu'à la fin, c'est tout ce qu'il a dit à la fin, mais... Oh, je crois qu'il est hors piste, Alonso. Alors je pense que la pluie finalement c'est une bonne nouvelle parce que je pense pas que sur le sec on aurait fait aussi bien. À la régulière je pense que ça aurait été compliqué. Enfin, en tout cas, configuration normale. Alors, on aurait peut-être joué le top 10 mais de là être en tête, rien de doute quand même. Sûreté. Il s'arrête pas. Et surtout, j'ai pas lu l'estimation de durée de vie des pneus. Non. Alors, on a les deux Mercedes qui sont passés derrière nous. Donc, du coup, ça veut dire que là, ça commence à revenir. Le nivellement des performances est en train de disparaître. Voilà, ils se sont arrêtés, tout simplement. Ah, c'est encore tout short hein, pour prendre les inters. En tout cas, j'espère que la saison 2014 vous plaît. J'ai eu des commentaires comme quoi c'était étonné que je fasse ce jeu. Mais en vrai, bon. Pour l'instant, je trouve que la saison est plutôt sympa. En tout cas, je m'amuse bien. Ce que je pense le principal. Mais. Tant qu'on tient le rythme des Mercedes, de toute façon, on n'a pas besoin de s'arrêter. Et on a fait un meilleur tour pour nous. 5 dixièmes de mieux. La trajectoire commence à être sèche, enfin légèrement sèche. Non, elle est pas sèche, mais elle est bien tracée, mais elle est pas sèche. C'est-à-dire que c'est plus difficile maintenant de prendre les extérieurs pour dépasser. Ah, ils disent que passer un intermédiaire, ça pourrait être pas mal. Mais est-ce qu'on a besoin de s'arrêter? En vrai. Tant que mes temps s'effondrent pas, moi j'ai pas besoin de m'arrêter. Hein. Je sens que les Mercedes sont un peu à la ramasse là maintenant. Ça on va vite le savoir. Si un pilote fait un énorme temps, bientôt on s'arrête. Secondes maintenant d'avance. Ah, est-ce qu'elles vont s'arrêter? Oui! Ok, il s'arrête au stand. On devrait s'arrêter maintenant. Apparemment. Oh, j'hésite, hein. Vraiment, hein. Je vous le dis, j'hésite. Il reste 6 tours à faire, il y en a 20 secondes d'avance.
tout le monde s'est arrêté. C'est vrai que les gommes commencent à avoir du mal. Ah, 18 secondes. Ouais, ok. J'ai compris. On va voir le temps de Rosberg. Oui, oui, oula, oula, oula. Effectivement. Secondes. Ouais, c'est mort, les intermédiaires sont meilleurs, meilleurs. Il est en train de remonter. Bon, c'est peut-être un tour de trop, malheureusement, pour nous. On a fait un tour de trop. Et là, du coup, je pense qu'on va perdre la victoire. Ouais, ouais, c'est bon. Allez, intermédiaire. C'est bon. Ah ouais, ouais, on a perdu trop de temps. Quelqu'un à côté de nous? Non, j'ai pas vu. Ouais, trop de temps perdu. Oh mon dieu. Le tonne est cinquième. Okay. Ouais, le tour de trop, malheureusement. Lui. Je crois qu'on a perdu 5 secondes dans l'espace d'un tour. Habitué aux nouvelles trajectoires parce que là. On va enrichir un peu le mélange. On va mettre le tour en 1.17. Je pense que là je suis bon. Je pense que là Roland commence à être mauvais. En termes de rythme, c'est pas ça du tout. Alors oui, j'ai plus que des tours en wet. Par contre, par rapport aux IA, absolument pas ça. Middle nous a mis une seconde. Même deux.
Là, sa tour en trop, on l'a cher payé. Il lui reste deux tours à faire. On va déjà se contenter d'essayer de conserver la quatrième place. Ce qui serait un excellent résultat en soi quand même, hein. On se le dire. Et Williams ne sont même pas présentes, elles ne sont même pas dans le top 6. Donc à quelques points à les rattraper. Le seul avantage qu'on peut avoir, c'est qu'on a peut-être un tour de mieux ou deux sur les gommes. Je pense que vu qu'on s'est arrêté très tard, c'est un peu trop tôt pour que ça fasse la différence. Ouais, j'ai même pas amélioré mon temps. Enfin, je l'ai amélioré, mais... J'ai pas réussi à rattraper Hamilton. Ah! Pour l'instant, on a de la chance, on n'a pas eu de pénalité toute la saison. Ce qui en soit un exploit. J'ai rarement eu quand même un jeu, enfin une saison qu'on a fait ensemble sur un jeu de F1 avec aussi peu de problèmes durant la saison. Alors il y a quelques fois des erreurs stratégiques, ça c'est humain quoi, mais des grosses erreurs à part à Monaco qu'on a eu, on a été plutôt épargnés. Et victoire de Rosberg du coup. On va voir le soleil à la fin je pense. Allez, quatrième, c'est une très belle place pour Sauber. On va se contenter de ça, mais ça sera très très bien. Ah, il y a de quoi être content, Gutiérrez, en vrai. Bon, on a gagné qu'une position par rapport à notre position de départ, finalement. Mais on aurait pu finir beaucoup plus loin aussi. Du coup, Rosberg remporte la course devant Ricciardo. Lewis Hamilton, troisième. Quatrième, Button, cinquième. Hülkenberg marque des joli point pour Force India. Alonso par contre est 7ème. Massa, voilà, le premier chez Williams c'est 8ème. Raikkonen prend le point pour la 9ème place. Enfin les deux points de la 9ème place. Et Kiat pour Toro Rosso marque des points. En se positionnant en 10ème. Et du coup au niveau du classement pilote, on est 6ème. On est passé devant Raikkonen. Ça c'est quand même. Entre les deux Ferrari, c'est quand même bien. Au championnat pilote, par contre, Rosberg remonte un petit peu sur Hamilton, mais les deux Mercedes sont toujours largement devant. Ricciardo est passé devant Vettel. Fernando Alonso, lui, est 6ème. Mon coéquipier n'a pas marqué de points, hein, donc... Ah si, pardon, il a marqué des points, puisqu'on lui a donné à Monaco. Et comme je disais, c'est la première entrée dans les points de Daniel Kvyat. On va voir du coup le classement constructeur avec Mercedes. Bon, Mercedes, on va les oublier un peu, je pense. Red Bull, 2ème, 206 points. Ferrari 128 points, 3ème, et on est 4ème, excellent, et on est ex aequo avec Williams, avec 53 points.
Ça va être chaud de tenir le rythme de Williams. Mais bon, pour l'instant, tant qu'on est devant McLaren, c'est bien. Et du coup, la Scuderia Ferrari qui se retrouve 8e isolé avec son petit point. Lotus m'a réussi à Caterham, n'ont pas manqué de points. Et ça ne m'étonne pas trop. Alors, est-ce que Lotus marquera des points peut-être? Mais pour l'instant, ça paraît être vraiment le cas. Écoutez, on va s'arrêter là-dessus. Je pense que ça va charger le prochain Grand Prix. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao tout le monde. Thank you.